Le laboratoire LUSAC fait partie des 50 unités de recherche rattachées à l'université de Caen Basse-Normandie. Ce groupe est reconnu dans la communauté scientifique pour ses travaux. Il compte un effectif de 51 chercheurs permanents et il est structuré autour de 5 groupes de recherche, dont un groupe de chercheurs travaillant sur l'efficacité énergétique et les transferts thermiques pour des applications industrielles. Bonjour, je m'appelle Lê Văn Khánh, je suis vietnamien. J'ai 23 ans. Alors bonjour, je suis Berichon Damien, j'ai 25 ans. Je suis étudiant en deuxième année de mécanique, deuxième année de doctorat en mécanique des fluides, donc au laboratoire LUSAC. Je suis étudiant en génie mécanique et j'apprends un peu de génie automobile. Et maintenant, je suis étudiant en master recherche spécialité mécanique et génie civil de l'INSA à Rennes. Alors, pour vous parler un peu plus de mon parcours, j'ai fait un parcours essentiellement universitaire, donc avec une licence et un master 1 que j'ai réalisé à l'Université de La Réunion. Et puis par la suite, pour la prolongation de mes études, il a fallu que je parte ici en métropole. Donc j'ai continué à l'ENSEM, une école à Nancy. Donc par la suite, j'ai voulu poursuivre encore un peu plus dans les études, donc j'ai fait un master 2 professionnel. J'ai choisi un stage ici. Le but de stage, c'est déterminer la limite de l'engagement. L'engagement, c'est un phénomène de l'épuisement du physique dans la mécanique fluide. J'ai fait une recherche pour un doctorat. Enfin, le sujet qui avait été proposé ici par l'Université de Caen m'intéressait fortement. Donc, il s'agissait de la condensation, l'étude de la condensation à basse pression. Donc, ce qui m'intéressait fortement dans ce sujet, c'était l'aspect partenariat avec une entreprise et puis un centre de recherche qui est le CEA Grenoble. Donc l'échange entre université entreprise pour un jeune, pour moi c'est vraiment une chance formidable et qui à mon sens m'apporterait énormément d'expérience au bout de 3 ans. Hey, this is a mini channel apparatus. It's used to measure the local heat transfer and the mini channels, which are more effective than any other heat exchangers. They depend on the boiling. Here we have the tank, which contains the working fluid, the pump, which pumps the working fluid from the tank to the test section. The test section is composed of 50 mini channels and has thermocouples implemented inside it. And the treatment is treated using a National Instruments device and then a LabVIEW software. Here we have at the exit of the test section we have a pressure sensor to measure the pressure, and here we have the power regulator and the power mirror. Did you get what you want? Did you get what you need?